52 nationaux, 50 internationaux pendant 13 saisons. Deux fois vainqueur du Single Top Driver Award en 2003 et en 2006, derrière la Coupe du Monde. Deuxième du Single Top Driver Award de la Coupe du Monde en 2001, c'est-à-dire qu'il a deux victoires, une deuxième place et une troisième place en quatre participations. Dans le top 10 des championnats du monde 2006, deuxième de la maniabilité du championnat du monde, c'était donc il y a deux ans. Vainqueur de la Coupe d'Ibérique en 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006. Écoutez bien, champion de Belgique d'Alpage à 1 en 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, c'est-à-dire que de 97 à 2007, 10 fois champion de Belgique, invaincu, imbattable, 38 victoires en concours national, 5 fois vainqueur de la Coupe de Belgique et 15 victoires internationales sur 28 podiums. Impacto peut entrer dans la légende, surtout si vous l'applaudissez comme il le mérite. C'est un cheval qui a aidé évidemment la Belgique sur le plan sportif, malgré que ce soit un cheval portugais. C'est un cheval lusitanien, c'est un cheval qui a beaucoup d'équilibre, beaucoup d'intelligence. Il y a peu de lusitaniens en attelage en fait. Oui, il n'y en a pas beaucoup, mais en Belgique on en a eu quelques attelages. Vous entre autres aussi. L'attelage d'André a fait de très beaux résultats et j'ai essayé de me débrouiller avec mon attelage 4 qui était également... Il est en Belgique en 95, il avait 5 ans, donc il a 17 ans maintenant. Il avait 5 ans et je crois qu'il a eu la chance de tomber dans une écurie parce qu'on fête ce soir Impacto. Mais je crois qu'on doit fêter évidemment au départ le propriétaire d'Impacto qui est Édouard Detry, qui est le propriétaire et qui a mis ce cheval à l'exposition d'André Herman. Et je crois que c'est Édouard Detry qui a permis de faire tout ceci et on doit l'applaudir autant que le cheval. Donc je crois que c'est vraiment un travail d'équipe. C'est le cheval Impacto, son meneur et Édouard Detry, le propriétaire. Et c'est eux qui ont permis, c'est cette équipe qui a permis de faire le tout. Et ici, je ne parle pas en tant que responsable attelage à la fédération, même pas en tant que professeur ou entraîneur, puisqu'André, on a travaillé souvent ensemble. Mais c'est en tant qu'ami, en tant que meneur, ils ont fait des choses qui sont superbes. Ils ont représenté la Belgique et je crois que pour l'instant, c'est extrêmement important de représenter la Belgique, surtout dans les temps actuels. André, Impacto est arrivé donc à 5 ans. Ça fait 12 ans de vie commune. Ça représente quoi? Et imbattable pendant 12 ans, pratiquement. Oui, mais ça fait bizarre. Il est tout ému. Respirez, prenez de l'air, comme en compétition, comme avant une finale Coupe du Monde. On est en famille, André. Non, ça fait bizarre parce que c'est un cheval que j'ai vu tous les jours et qui m'a appris énormément, à travers lequel j'ai pu apprendre énormément avec Félix également. Même si on ne se voit pas assez souvent à mon goût, chaque fois qu'il dit quelque chose, il m'a fait découvrir ce cheval. C'est énorme et il n'a pas droit à la parole pour l'instant. Ce cheval m'a appris à mener, m'a appris l'équitation. Je ne suis pas dans l'équitation depuis tout jeune, je ne viens pas d'un milieu d'équitation. Et c'est lui, ou Félix, à travers ce cheval, et à travers Eddie Williams également, qui m'a beaucoup aidé, j'ai appris ce que je sais à travers Impacto. Et ça, je pense que c'est le cheval de ma vie. J'espère que je retrouverai un autre, mais ça va être difficile. J'ai une question. C'est difficile quand on voit tout le palmarès que j'ai évoqué, parce qu'il faut 3 pages. Ce sont des dizaines et des dizaines de victoires. Est-ce qu'il y a, parmi toutes ces super performances, une plus que d'autres qui vous a marqué? La première, la dernière, la Coupe du Monde, les 10 championnats de suite? Il y a 2-3 choses qui m'ont marqué. La première Coupe Ibérique que j'ai gagnée là-bas au Portugal et qui est vraiment dès le départ, en Espagne au Portugal, était le départ de bons résultats. Mais 2 victoires, une pour l'émotion, c'était Compiègne, parce que c'est mythique à Compiègne. Une deuxième, c'était l'année passée avec un plateau, je pense, au top niveau mondial, le Wara du Pin, où on était à 4 dans le même point, avec un cheval portugais que Félix connaît très bien, qui était dans le même point, donc avec des meneurs et des chevaux de qualité. Et ça, c'était, je pense, la plus belle victoire qu'il y ait eu. Et un autre grand moment, je dois à Félix, c'est qu'on a gagné le Master's Trophy en 99, en 99, à
Windsor en équipe. Et bravo à toute l'équipe et surtout, et je vois Eugène Maty et Léon Dourcy qui sont là auprès d'André. C'est également un privilège et une fierté, je pense, que André ait choisi le Jumping International de Liège pour que Impacto, pour que ce superbe athlète fasse ses adieux à la compétition. Je vous laisse, monsieur Maty, monsieur Dourcy, aller féliciter. Et puis j'en profite pour citer les partenaires d'André, ses sponsors, sans qui tout athlète de haut niveau. Édouard Detry, tout d'abord, son propriétaire, qui doit être particulièrement ému. Mais également monsieur Benoît Jason, des Brasseries Bostel. Quack, monsieur Gilles Sébastien, de Volvo Sébastien, monsieur et madame Skreurs de CA System, monsieur Frédéric Deleuze de Cleanbox et monsieur et madame Mathieu Els de PMS Com, des partenaires, des sponsors et qui, pour tout athlète de haut niveau, sont indispensables et sans lesquels une carrière de très très haut niveau est vraiment difficile. Donc soyez toutes et tous remerciés. Je sais que vous êtes parmi nous et que vous participez à ce moment assez émouvant puisque André est ému et André. Rapidement, ça fait quelques années que je viens à Liège. C'est aussi grâce à Léon et à monsieur Maty que Impacto est connu dans la région. Et un petit souvenir de la dernière Impacto avec le sigle du Jumping, je tenais vraiment à vous le remettre pour vous dire merci non seulement aux organisateurs du Jumping, mais également au président dont je reçois de temps en temps des courriers quand je fais un bon résultat. Et ça fait très 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 chaud au cœur de penser à la plage. Et en plus, ici à Liège, c'était le plus bel endroit pour la traîne Impacto. Si je peux me permettre, monsieur le président, monsieur Maty et Léon, voilà, c'est avec des photos d'Impacto, le palmarès et le sigle du 15e, c'est la dernière et avant la retraite. Alors, tout grand merci, simplement. Merci André, et merci Impacto. Et maintenant, André, on fait quoi maintenant? Ben, symboliquement, je pense que ça doit se faire en vraiment à l'IRD. Impacto. Il a eu du mal à le dire, et on comprend pourquoi. Et il a mal sa salive, André, parce que ce qu'il fait là, il a fait le contraire il y a 13 ans. Et donc, il va maintenant dételer Impacto. Ses grooms viennent à côté de lui et sont aussi assez émus. Mettez-vous à sa place, et comme vous le disiez, Félix, tout à l'heure, l'équitation, c'est quand même le seul sport individuel qui se pratique à deux. L'homme sans le cheval n'est rien. Le cheval sans l'homme fait autre chose, sans aucun doute. Et voilà. Impacto, je ne sais pas s'il réalise vraiment ce qui se passe. Je crois qu'il va vraiment le réaliser quand il sera auprès et qu'on ne viendra plus tous les jours l'arnacher pour travailler. Bientôt 18 ans, magnifique athlète, encore une musculature. Je crois qu'on peut le dire, Félix, hein. À 18 ans, il a un corps d'athlète absolument somptueux. Je ne sais pas si vous parlez d'André, je ne sais pas si vous parlez d'André ou des choses. Parce qu'André, sur le plan athlète, il devrait un peu travailler, un peu soigner. Mais le cheval est très, très joli et en pleine forme. De nouveau, félicitations de l'avoir emmené à cet âge-là de cette manière. Parce que c'est que le travail a été bien fait. Et on ne peut que féliciter le propriétaire et le meneur et les groupes. Eh bien, voilà. Allez, ça y est, il commence à comprendre. Il est un peu perdu tout seul. Allez.